Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouvel épisode sur Resident Evil 7. Donc j'avais enregistré ma VOD, mais il y avait tellement de lag que je me suis dit bon, je vais éviter de la mettre. Hein. On en a déjà assez comme ça, avec plus les bugs de texture. Enfin bref, donc j'ai été récupérer la clé Scorpion et la clé de la salle de dissection. Donc je sais pas quoi du tout ça va me servir. Donc je voulais faire quoi? Oui, j'ai pas encore sauvegardé. Je voulais faire quoi? Donc là, j'ai une plante. On va la stocker. Pour faire les cartouches, mais. Là, on a la clé, pièce de défense. Éventuellement des herbes. Mais j'ai pas de fluide chimique, donc. C'est un peu compliqué. On a un crochet que je vais garder. Ah putain, encore une erreur. Hop, merci. Hein. Processeur. Merci Capcom. On est ravis. Donc j'ai sauvegardé là. Voilà. Donc on est ravis hein, d'avoir des bugs de texture de freeze. Hein. On est ravis. Pas du tout. En plus, j'ai plus de balles, donc je me suis fait niquer là. Comment je fais? Ah ouais, bah c'est parce que j'ai pas de balle donc. Ouais. Donc j'ai la clé Scorpion. Donc si je me souviens bien, quand vous voyez là, ça freeze. Hein. En fait, c'est pas tout le temps, c'est à certains endroits. Donc là, j'ai la clé Scorpion. Donc là, normalement, si je me. Vous voyez, ça freeze. Si je me souviens bien. Merde. Donc c'est ça. Cool. Et ça me mène où ça? Ah, intéressant, ça me ramène ici. Donc normalement, là ça freeze. Hein. Bon, j'espère que ça freezera pas. Écoutez, à des endroits de merde hein, plus tard. Quoi, mais. Pourquoi j'ai eu un chargement là? Ok, donc j'ai une tête. Ah, j'ai obtenu le fusil en plus. Je viens de voir ça là. J'entends des pas. Donc le fusil là. Ok, donc à mon avis, dans la pièce qu'on avait vue en haut, c'est un fusil cassé. Donc on verra bien. Hein. Bon, la dernière fois on avait. Il y avait Jack ici quelque part. Ça, c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir. J'espère qu'il est plus là. Oh putain, puis ça freeze. Hein. La porte est ouverte. Comme à mon avis, il était là. Voilà. Fermez ça. Bon, ça freeze, c'est pas évident de bouger, hein, je vous le cache pas. Donc là, c'est la clé Scorpion. On va l'ouvrir. Allez. Ouh. J'ai refermé la porte. Allez. Ferme. Ça me régale pas. Ok. Non. Fusil cassé, cool. Alors j'en ai marre de courir après tous ces abrutis dans le jardin. La prochaine fois que l'un de nos invités tente de se faire la malle, cache les têtes de chien pour que personne ne puisse sortir de la maison. On n'a qu'à les cacher là. Horloge du grand-père dans le séjour. Livre dans la salle de jeu, donc sans l'œil, et salle de dissection au sous-sol. D'accord. Ok. Donc on a une tête de chien. Cool, un fût chimique. Dans la salle du grand-père. Je suis en train de réfléchir, donc c'est la première salle où on était au début. Je suppose. Hein. Ok, on a des cartouches de fusil. Ok, y a rien. Alors, comment vous sentez-vous ces jours-ci? Cela fait un certain temps que depuis votre dernier check-up. Je vous écris car j'ai terminé l'examen des résultats de votre scanner.
Ces zones sombres dans votre crâne sont des structures fongiques qui s'apprêtent à de la moisissure. Wow, c'est dégueulasse. Il se peut que ces excroissances soient à l'origine des hallucinations visuelles et auditives que vous nous avez fait part. Si vos symptômes sont effectivement dus à un parasite fongique, celui-ci doit être retiré avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas vous affoler, mais je suis très inquiet pour votre santé. Je vous invite à vous rendre à l'hôpital et que vous recevrez cette lettre. Ok, en tant que médecin, je vous recommande vivement de passer quelques examens approfondis. Ok. Par contre, j'ai un chargement de merde. Hein. Ça c'était pas prévu ça. Ça, c'était pas prévu du tout. Une page internet qui s'ouvre. Pourquoi ne me demandez pas. Et en plus, vu que je suis en plein écran, ben, alors déjà que on lag en jeu, alors plus une pub, ben une page en fait internet. Je sais pas pourquoi. Allez. Salut mon gars. Quoi? Comment ça va? Pourquoi? Comment ça va? Il m'a vu là? Non, je suis pas là. Il m'a vu? Non, t'es sérieux? Ah ouais! Ah d'accord! Pars-toi! Allez! On se barre, on se dit bonsoir. Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Non, c'est pas là que je voulais aller. Oh, puis ça freeze. Tant pis, je vais faire le tour. Allez. Putain. Bon, j'ai hâte que Capcom reste sur point parce que ça me brise les burnes. S'il vous plaît, quoi. Ouais, tu peux me sentir. Je sais que tu peux me sentir. J'ai envie de me barrer. Allez. Vous voyez, comme là, ça frise plus, en fait. Ça frise à des endroits. C'est très chiant. Donc là, vous n'avez pas de place dans votre inventaire. Fous-toi de ma gueule. Attendez, là. Pourquoi je peux pas combiner? Appuie soleil. Ah, c'est fluide et herbe. Ah, putain. Bon. Il me faut le fusil. Mais là, j'ai pas trop le choix. Faut que je vais dans la malle. Tout simplement. Ah, c'est. J'ai vu un truc, là. Ah, ok, j'ai vu. Il y a une horloge. Une horloge, là. Qu'on va pouvoir récupérer la tête de chien. Là. On va sauvegarder en même temps. Alors attendez, juste deux petites secondes, on va faire ça, voilà. Alors, le crochet, on va le poser. Ah ouais, puis ça demande deux places. On va poser deux secondes ça, et là j'ai deux places. Donc on va aller chercher le fusil. Je vais déjà aller chercher le fusil. Ça me paraît bien. On peut pas finir là normalement. Il est où ce con? Normalement il est pas là. Et après on ira chercher le truc dans l'horloge. Allez. Voilà, ça s'il te plaît. C'est cool ça. Et là. Fusil cassé. Non. Comment je fais pour le replacer? Ah, d'accord. Ok. Attendez. Oui, parfait, j'ai deux places. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là. Oh.
Cool, pendule d'horloge. Très bien. Bon, je sortirai sans doute pas tous les épisodes. Parce que c'est là que c'est quand même pénible. Alors. Donc on est à la pendule. Elles sont où mes cartouches de fusil? On va les prendre. On a des herbes. Attendez. Remède de premier soin. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je voudrais faire, c'est ça. Voilà. Et je vais prendre mes herbes. On va faire. Ah merde, j'ai oublié mon futur. Il est où? Il est là. Voilà. Donc on a des soins éventuellement. Cartouche de fusil. On va la laisser là pour le moment. De toute façon j'en ai pas vraiment besoin. J'en ai que deux et là. Hop, on va sauvegarder ici. Donc là, on doit retourner dans la première salle de où on vient. Alors, salon, réserve. J'ai pas tout inspecté en bas. Hein, mais... Donc comment je peux faire là pour retourner où j'étais au début ? Dans la première salle. Ah bah oui, je suis con en fait, la porte elle est juste là. J'espère qu'il est pas là, le père Baker. J'espère. Donc normalement... C'est pénible les lags, je vous cache pas. Hein. Je dis ça fait mal aux yeux quoi. C'est vraiment horrible. Donc c'était là alors, dans la salle de la grand-mère, il a dit, hein, grand-père. Donc c'est où, c'est là? Vous voyez, en fait, il y a des endroits ça là, il y a des endroits ça là quoi. Ouais, c'est là. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Qu'est-ce que tu fais? Ah cool, tête de chien. Vous voyez ici ça lag pas et de l'autre côté ça lag en fait, hein, il y a des endroits donc là attendez, donc là j'ai cette fameuse tête de chien et l'autre ça serait dans la salle de dissection donc ok, donc là je vais aller poser la tête, donc, j'espère qu'il est pas là ce con parce que bon en même temps je sais qu'il y avait quelque chose là à taper. Et là, il y a un freeze, hein. Forcément. Ok, merci. Non, c'est ça que je voulais. Bon, j'espère que tu n'es pas là, Peter Baker. Ok. Donc là, on a la tête. Et là, ça serait dans la salle de dissection. Ok. Donc là, on a les deux têtes. Merde. C'est pas évident de bouger avec les prisons. Je ne vous cache pas que c'est vraiment pénible. Donc, salle de dissection. On va sauvegarder. Eh bien écoutez, on va s'arrêter tout pour cet épisode. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît malgré ces lags. Hein. Je vais pas tout mettre en tout cas sur YouTube pour le moment. Je vais rester
comme ça en attendant. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce, c'est la récompense. Et je vous dis à la prochaine sur Resident Evil 7. En espérant ne plus avoir de lag et le fixe de Capcom. Ciao, bye bye.